Ce n'est pas sûr que je vais tester le Camon 20 première, pour ne pas dire un des téléphones de la série Camon 20. Techno m'esquive pour le lancement de ses produits pour je ne sais quelle raison. En dehors du Camon 18 premier, je n'ai plus jamais été recontacté. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi je ne teste pas leurs produits, voilà la raison. Mais je ne peux pas trop m'en plaindre et cela ne m'empêche pas de donner mon avis sur leurs produits. Cette année, Techno a sorti 4 téléphones de la gamme Camon 20. On a 2 4G et 2 5G. Il s'agit donc du Camon 20, du Camon 20 Pro, du Camon 20 Pro 5G et du Camon 20 Premier ou Premier 5G. Quand je lis les spécifications, je ne peux m'empêcher de penser que Techno aurait dû sortir que 3 modèles, la version de base ressemblant trop au Spark 10 Pro. Je développe plus cette idée en fin de vidéo. Pour l'instant, pour vous, voici en un seul endroit tout ce que vous avez besoin de savoir sur cette gamme de Techno. Avant de continuer, je vous invite à vous inscrire sur Jamo en utilisant le code UFB94. Jamo est un portefeuille électronique un peu comme PayPal qui facilite les paiements en ligne. Donc c'est une application qui sera très utile pour ceux qui effectuent des achats en ligne ou des sponsorisations sur Facebook. Si vous découvrez Jamo, inscrivez-vous gratuitement en utilisant le code UFB94. Merci, en le faisant, vous soutenez la chaîne. Maintenant, attaquons-nous au sujet de cette vidéo. Visuellement, ces 4 modèles sont identiques. Ils ont tous un grand module de caméra qui a une forme en polygone et un dos en finition cuir avec des tracés en motif litchi. Personnellement, je trouve que ce module est trop grand. Il gâche un peu l'esthétique de ces téléphones, surtout des modèles pro. Je l'apprécie mieux sur le modèle standard. On a l'impression qu'on a affaire à une harmonie parfaite. Les modèles pro et premier présentent une finition lisse en verre. Je ne sais pas si c'est effectivement du verre car le plastique peut facilement copier cela. Mais Techno a confirmé que le modèle phare est exempt de plastique. Ainsi, le module de caméra du Camon 20 premier est en céramique, ce qui est une grande affirmation. Cela veut dire que cette partie du téléphone est extrêmement résistante aux égratignures. Le dos du Camon 20 premier 5G serait en cuir pour un toucher plus doux et sans trace de doigts. Je doute que ce soit du vrai cuir, surtout que beaucoup de constructeurs plus chers n'ont adopté que le cuir synthétique dans leur construction. Une chose est sûre, le Camon 20 premier 5G a de quoi ravir ceux qui cherchent un téléphone avec des matériaux premium. Cependant, le verre qui protège l'écran n'a pas été indiqué. Les 4 modèles embarquent le même écran. Il s'agit d'une dalle AMOLED de 6,67 pouces à une résolution Full HD+, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Des modèles premier et pro disposent d'un capteur d'empreinte digitale intégré, tandis que le modèle standard se contente d'un capteur d'empreinte digitale intégré dans le bouton d'allumage. Au niveau des caméras, le Camon 20 premier 5G plane au-dessus des autres modèles. Il présente 3 caméras, mais seules 2 sont vraiment utiles. La caméra principale est un RGBW de 50 mégapixels avec la stabilisation optique de l'image à décalage de capteur. Juste pour vous dire que la stabilisation est vraiment bonne sur ce modèle. Elle est associée à un ultra grand angle de 108 mégapixels. De ma mémoire, c'est la première fois qu'un téléphone utilise un aussi grand capteur sur l'ultra grand angle. C'est un objectif avec autofocus et mode macro. La dernière caméra est juste un capteur de profondeur décevant de 2 mégapixels. Le 20 premier présente un autofocus laser qui devrait faciliter les prises de photos. Si vous voulez mon avis, je pense que le capteur de profondeur gâche un peu l'affaire de ce téléphone. Les 2 autres capteurs vont donner de très belles photos et comme je l'ai déjà dit depuis des années, l'effet donné par le capteur de profondeur, les logiciels de traitement d'image des différents constructeurs le font déjà si bien sans l'aide d'un capteur de profondeur quelconque. Donc c'est juste un ajout décoratif pour pousser les gens à penser que le téléphone dispose de 3 caméras. Je me souviens encore du Camon 18 premier avec son objectif périscope. Il reste à ce jour la meilleure configuration de caméra sur cette série de Techno. À l'avant du Camon 20 premier 5G, on a une caméra selfie de 32 mégapixels. La même caméra selfie qu'on va retrouver sur les autres modèles. Les 3 autres modèles utilisent la même caméra principale de 64 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels. Le modèle Pro 5G dispose de la stabilisation optique de l'image sur son objectif principal et d'un capteur de profondeur de 2 mégapixels comme troisième objectif. Les 2 autres modèles disposent d'un module QVGA comme troisième capteur. Niveau performance, Techno a opté pour le processeur MediaTek Dimensity 8050 pour les Camon 20 premier 5G et Camon 20 Pro 5G. Conçu dans le procédé de 6 nanomètres de TSMC, il dispose d'un modèle 5G. Le graphisme est assuré par le Mali G77. Je n'ai pas encore de chiffres concernant la performance de cette puce, mais on peut déduire que ce processeur sera à la hauteur de la plupart des tâches qu'on lui lancera. J'ai vu des youtubeurs nigériens montrer qu'il atteint des graphismes ultra dans un certain nombre de jeux, ce qui montre que cette puce est réellement à la hauteur. En ce qui concerne les 2 autres, le Camon 20 Pro est équipé de l'Helio G99, tandis que le Camon 20 est équipé de l'Helio G85. Les 4 modèles disposent d'une mémoire vive de 8Go. L'espace de stockage est de 512Go pour le Camon 20 premier, tandis que les autres modèles calent à 256Go. Il dispose d'une batterie de 5000 mAh avec une recharge de 45W pour le Camon 20 premier et de 33W pour les autres modèles. Il n'est toujours pas question de charge sans fil chez Techno. Ils débarquent tous sous Android 13 avec iOS 13.
iOS devient de plus en plus propre avec moins d'applications préinstallées et moins de notifications inopinées. C'est une bonne nouvelle et on espère bien que cela va continuer. Techno ne dit pas cependant combien de mises à jour ces téléphones recevront. Pour le moment, on sait que le 21er 5G atteindra Android 14. Ce qui n'est pas mal, mais pour la suite et pour les restes des smartphones, on est toujours dans le noir. En ce qui concerne la disponibilité, on s'attend à les voir très bientôt ici en Côte d'Ivoire. Au Nigeria, le Cameroun 20 Premier est vendu à 450$, soit environ 270 000 francs CFA, et 300$, soit environ 180 000 francs pour le Cameroun 20 Pro 5G. On ne connaît pas encore le prix des Cameroun 20 et Cameroun 20 Pro 4G. On va devoir attendre leur lancement officiel ici en Côte d'Ivoire pour avoir toutes les tarifications officielles pour le pays. Une fois que je les ai, je les épinglerai dans les commentaires. Techno vise de plus en plus le marché des hauts de gamme à chacune de ses sorties. Le Cameroun 20 Premier 5G est une autre illustration après le Phantom X2 Pro. Même si personnellement son design ne m'attire pas, sa construction solide et premium devrait convaincre un certain nombre de personnes. Face à la concurrence, Techno joue clairement le jeu des chiffres. L'entreprise propose plus de stockage et utilise un processeur plus performant. Des choses que certaines personnes peuvent considérer par rapport à la résistance à l'eau du Galaxy A54 de Samsung. Pour ceux qui veulent considérer le Redmi Note 12 Pro 5G ou le Redmi Note 12 Pro Plus 5G, je vous recommande fortement le Cameroun 20 Premier 5G. En dehors de leur design que je trouve nettement mieux que ce dernier, ils ne sont pas plus performants, leur stockage de base est inférieur, coûte à peu près le même sinon plus cher et nous sommes également dans une confusion totale quand il s'agit de mise à jour logicielle. Cette même comparaison peut se faire également avec les autres modèles inférieurs du Cameroun 20. Techno s'est assuré d'avoir la meilleure fiche technique que ses concurrents. Si le Cameroun 20 Pro 5G vient en Côte d'Ivoire au prix de 180 000 francs comme au Nigeria, je pense qu'il sera ma recommandation de choix cette année. Il pêche en ce qui concerne les caméras, mais sa performance fait qu'il a en ce moment le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Donc jusqu'à nouvel ordre, c'est ma recommandation de choix pour tous. Techno devrait cependant abandonner l'Helio G85 sur cette série. Techno aurait dû démarrer cette série avec l'Helio G99 qui a une bonne puissance graphique que le G85. En proposant le G85 sur cette série, on ne sait plus comment classer cette série de Techno. Le G85 aurait dû rester sur la série Spark pour avoir une séparation claire entre les gammes. Avec ce que Techno propose, on a l'impression que la gamme Cameroun est au même niveau que la ligne Spark, alors que ce n'est clairement pas le cas. Je ne sais pas pourquoi Techno continue de proposer cela, mais en le faisant, elle limite clairement le nombre d'acheteurs du Spark 10 au profit du Cameroun 20 standard. Mais je trouve que cela déteint gravement sur la ligne Cameroun. Voilà pourquoi je ne vous recommande pas le modèle standard de Cameroun 20. Je pense que le Spark 10 Pro est un meilleur deal par rapport à ce dernier. Ok, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. Likez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous si vous découvrez ma chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochains contenus. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.